On se trouve présentement chez JD Fiat et maintenant Alfa Romeo à Boischâtel pour la deuxième édition de la campagne d'achat local La Côte en cadeau. On vous a préparé un petit vox pop pour savoir ce qu'Alliance Affaires a apporté aux gens d'affaires de la Côte de Beaupré. Alors bonjour, Martin Gladue de Station Blue Nordique. Et si vous voulez savoir ce que l'Alliance m'a apporté, un réseau d'amis et de connaissances épouvantables qui nous permet de mieux développer et de se consoler lorsqu'on a des mésaventures. Michel Loutier, CKFM, c'est que ça permet aux entreprises de pouvoir avoir un contact direct avec l'ensemble des entreprises, des commerçants qui se trouvent sur la côte de Beaupré. Ça donne un sentiment d'appartenance. Ça donne également un lien d'échange, un moment où on peut se rencontrer, discuter de nos entreprises, échanger ensemble. Ça permet également de se faire un réseau de contacts. Je pense qu'Alliance Affaires, c'est une bonne façon de souder les entreprises de la côte de Beaupré. Joanne de la microbrasserie de Beaupré. Oui, pour nous, Alliance Affaires, ce que ça nous a apporté, c'est des contacts, c'est un réseautage. Ça nous a permis de rencontrer des gens de la côte de Beaupré, des gens d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on arrive d'ailleurs, donc ça nous a permis vraiment de rencontrer des gens et de se faire un cercle d'amis et aussi de connaissances d'affaires. Marie-Chantal Lachance, Saute aux yeux création. Alliance Affaires, bien, ce que ça nous a apporté, c'est plein de beaux contacts et une super belle famille d'affaires sur la côte. C'est pareil. Moi, je vis la même chose qu'elle. Oui, bonjour, moi c'est Christian Fortin, président et fondateur de Showcar Design, employé de Complexe Auto Design. L'Alliance Affaires pour nous autres, c'est un tremplin, c'est une visibilité. Ça nous permet de rencontrer plein d'autres gens d'affaires, puis c'est ça que je trouve trippant dans l'Alliance Affaires. Alors bonjour, Cynthia Champagne de chez Jean Coutu. Alliance Affaires pour moi, c'est vraiment de voir, de partager la réussite, les bons coups des entrepreneurs de chez nous. Puis d'échanger là, sur notre réalité de tous les jours. Bonjour, Marie Blais-Giroux, Jean Coutu également. Alliance Affaires nous a permis de développer un beau réseau de contacts, d'apprendre à connaître les gens de la côte de Beaupré, les gens de chez nous. Alors, Pierre Tremblay, JD Chrysler, JD maintenant Fiat Alfa Romeo. Alors, l'Alliance Affaires Côte de Beaupré, évidemment, c'est un merveilleux regroupement où est-ce que tous les gens d'affaires peuvent se parler, échanger, comprendre et comprendre l'importance de travailler ensemble sur la côte de Beaupré. Ça me fait grand plaisir et bravo pour l'initiative. Connaître beaucoup de gens de la côte de Beaupré et voir qu'il y a du dynamisme dans la communauté d'affaires de la côte de Beaupré. On espère que ça va continuer et que ça va se propager. Alors, Martin Deneau. Et Brigitte Ricard de Remax. Notre force, c'est créer des liens. Ce qu'Alliance Affaires a fait pour nous, c'est aider à créer encore plus de liens. Bravo. Merci. Bonsoir, Sébastien Maradis, les toitures RP. Je suis dans l'Alliance depuis tout début. Ça a porté de connaître tous les gens d'affaires à la côte de Beaupré. C'est très agréable. En bonne compagnie. Salut, Christian la jeunesse est frère. Même chose que Sébastien, rencontrer tous les gens de l'affaire de la côte, connaître tous les gens d'affaires de la côte. Puis c'est ça, c'est une bonne place pour réseauter entre nous autres. Bonsoir, Julien Paré, directeur de la Caisse Côte de Beaupré. Oui, c'est un bel endroit pour réseauter, pour voir la jeunesse, en fait, aussi là, des jeunes entrepreneurs. Et puis, très heureux d'être avec vous ce soir. Merci. Annie Lévesque, propriétaire de Ni Vu Ni Cornu Atelier Galerie, située à Sainte-Anne-de-Beaupré, juste à côté de la Basilique. En fait, ce que l'Alliance Affaires, ça m'a apporté, c'est le réseautage, d'apprendre à connaître les gens, leurs services, leur entreprise, et pas seulement juste le nom de l'entreprise, mais vraiment qu'est-ce qu'ils offrent comme produit. Puis grâce à l'Alliance, je fais affaire avec plusieurs d'entre eux maintenant aujourd'hui. Et ça m'a fait connaître beaucoup sur la côte de Beaupré. Oui, bonjour, mon nom est Roland Tremblay, propriétaire du dépanneur des Caps, SO Saint-Yves-des-Caps. L'Alliance Affaires, c'est comme Christian disait, là, c'est une belle, c'est un beau lancement là, pour que, une synergie pour les gens de la Côte de Beaupré, pour encourager le produit local. Et l'enthousiasme des gens, nous autres, on est en mesure de le constater tous les jours, là, puis c'est super bon. Bonjour, François Martineau de la firme du Bon Temps. Alliance Affaires nous a amené une belle clientèle et une belle synergie entre les entreprises de la côte de Beaupré. C'est merveilleux. Oui, Arthur Cochon, de la firme Arthur Cochon, Château-Richer.
Alliance Affaires m'a apporté à connaître de nouveaux entrepreneurs et à augmenter ma clientèle. Steve Imbeau, Uniprix à Beaupré. L'Alliance nous a apporté une visibilité du côté de la côte et puis ça nous a apporté à connaître aussi tous les autres entrepreneurs. Éric Saint-Hilaire, restaurant L'Aventure à Beaupré. Bien, écoute, l'Alliance Affaires apporte beaucoup de choses, comme une belle soirée comme on a ce soir, de se rencontrer, des entrepreneurs ensemble. On n'a pas l'occasion de le faire. Moi, personnellement, je suis toujours dans le resto. Je sors presque jamais. Fait que quand j'ai des occasions comme ça, bien, je l'apprécie énormément. Vincent Lessard, Construction Jacques Lemoine. Bien, écoutez, ce que ça m'a apporté, des sous-traitants, du monde que j'ai rencontré, que j'avais jamais vu, des nouveaux clients, puis du monde où aller acheter des nouveaux matériaux, puis des choses comme ça. OK, je me présente. Mon nom, c'est André, de chez Simard Cuisine et Salles de bain. André Simard, vice-président. Alliance Affaires, c'est une bonne opportunité pour les commerces de la Côte de Beaupré. Très belle organisation. Que du positif, parmi tant d'autres, mais ça, c'en est vraiment une bonne. Oui, bonjour. Je m'appelle Sylvain Duclos, Construction Silduc, entrepreneur général. Ce qu'Alliance Affaires, ce qui est plaisant, c'est qu'on soit un groupe de même en parler à plusieurs entrepreneurs ensemble. Ou des leaders dans toutes sortes de domaines. Ça fait des connexions, ça fait des contacts, c'est super, là, numéro un. Oui, bonsoir, moi c'est Jacques Bouet, de BMR Beaupré et Château-Richer. Puis je suis membre de l'Alliance de Côte de Beaupré, je suis très fier. Et ce que ça m'a apporté, c'est qu'on connaît du monde, on se rencontre dans d'autres lieux, puis j'aime bien ça, c'est agréable. Jean-François Noël, orage de communication. L'Alliance m'a apporté beaucoup, connaître la côte et le dynamisme à la côte, belle affaire. Jean-François Duclos, Caron et Gay. L'Alliance a apporté beaucoup, c'est la relation entre les gens d'affaires de la côte, de se voir, de se rencontrer, de partager avec eux autres. Bonjour, alors Rémi Ferland, de Napa Pièce d'Auto, de Saint-Anne-de-Beaupré et de Beauport. Dans le fond, Alliance, pour moi, c'est ce qu'on voit ici ce soir. Ça nous permet d'avoir une meilleure communication entre les commerçants de la région et d'acheter de plus en plus local. Voilà mon idée. Bonjour, mon nom est Éric Maltais, je suis directeur des ventes du journal L'Autre Voix. Donc, Alliance Affaires, pour moi, c'est vraiment un regroupement de gens d'affaires hyper dynamiques qui s'aident entre eux. Puis, ça crée une force vraiment à l'intérieur de la côte de Beaupré. Dave Allary, Techlash, nous autres, Alliance Affaires, ce que ça nous a amené, c'est de la visibilité, c'est la côte de Beaupré. Beaucoup de PR, beaucoup de nouvelles personnes qu'on connaît. En gros, c'est ça. Bien, mon nom est Gaston Cloutier de l'Auberge Bécard. Ça va faire 40 ans que je suis là, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas Alliance Affaires. Alors, on était un peu tous séparés, chacun dans nos coins. On avait développé un super esprit de clocher dans la région. Et maintenant, bien, avec Alliance Affaires, c'est plus ça. On se parle entre tout le monde, on est ensemble, puis on travaille ensemble, puis on veut que les clients restent chez nous. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est ça, Alliance Affaires. Écoute, Lawrence, j'aimerais ça que tu te présentes et tu dises en quoi Alliance Affaires, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Bien, Alliance Affaires, ça a apporté beaucoup de contacts. Tu sais que je suis avec vous autres, la télévision communautaire, ma TV, mais je suis aussi avec la radio C'est qui? Et ça a apporté beaucoup de contacts et d'entre-gens. Ce qui est bon, moi, pour ma part, pour les entrevues et évidemment la publicité, bien sûr. Maxime Rioux de la télévision d'ici. Ce qu'Alliance Affaires nous a apporté concrètement, nous, c'est d'élargir notre réseau de contacts, des gens qu'on ne rencontrait pas autrement. Aussi, en rencontrant ces gens-là, bien, il y a des suggestions de reportages potentiels qui peuvent émaner. Et aussi, l'essentiel, eh bien, c'est de découvrir, de rencontrer de nombreux partenaires avec qui on tisse des liens qui sont durables. Voilà, c'est ce qui complète le Vox Pop Alliance Affaires Côte-de-Beaupré.